Bienvenue sur Rock Moderne et merci à tous les nouveaux abonnés. Et je vais vous présenter une bonne petite vidéo sur les nouveautés du mois de décembre. Alors, il y a quelques rééditions et puis vraiment des nouveautés qui ne sont pas du tout des represses. On va commencer par cette petite mini-box du groupe irlandais U2 hein, que vous connaissez bien tous. C'est le Hartung Baby de 1991 qui vient d'être réédité chez, je regarde, Limited Edition, chez ouais, Universal Records. C'était Island Records qui avait sorti ça en 1991. Alors je vous rappelle que le chanteur, alias Bono, c'est Paul David Hewson. Voilà. Alors on va l'ouvrir sans plus attendre. Hop, je prends mon petit scalpel. Parce que c'est mieux qu'un cutter en fait, ça, vous voyez, c'est très pratique. Parce que c'est moins agressif quand même pour ouvrir ce genre de box. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Non. Donc il va falloir garder, conserver le blister. Alors, je vous avais déjà présenté l'édition noire. Là, il s'agit d'une édition limitée, colorée, qui est disponible sur le site d'Universal France, qui s'appelle Collection quelque chose. Alors, donc, il y a à l'intérieur des inédits, évidemment, l'album qui contient les singles The Fly, Mysterious Ways, One, Even Better Than The Real Thing et Who's Gonna Raid Your White Houses. En fait, quand un album est bon, ils ont tendance à tout sortir en single. C'est pas évident à le dégager. Voilà, on y est arrivé. Donc, c'était pour le 30e anniversaire, évidemment. Donc, je vous montre le sticker. Voilà. Et en plus, c'est numéroté. J'ai le numéro 2965. Voilà. Donc là, c'est vraiment une édition numérotée. La tracklist ici. Et à l'intérieur, évidemment, l'album tout à fait classique comme celui que je vous avais présenté, mais si ce n'est les vinyles à l'intérieur. Et je crois qu'il y a aussi un petit livret, peut-être. Oui, c'est ça. Il y a un livret. Et un poster. Alors, on va commencer par le poster. Voilà. On voit le groupe volant d'une mini, me semble-t-il, une Austin de l'époque. Et alors, on a aussi ce petit livret. Quelques pages, hein, c'est pas... Je me souviens plus si dans l'édition originale ou le repress récent, il y avait également ce petit livret. Enfin, je vous montre un peu rapidement parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Je ne vais pas faire une vidéo qui dure une heure. Donc, voilà, donc tout ça et les deux disques, évidemment. On va commencer par le premier, ce serait mieux. Voilà, Side One, alors UMC, donc un vinyle rouge avec un superbe macaron. Ici. Translucide. Bon, en fait, Universal, ils font que ça. Ils font que des vinyles translucides de couleur, pas de splatter du tout. Et alors, le deuxième, je pense que oui, Size 3. Très joli. Hein. Très joli. Du 180, évidemment. Du lourd. Voilà. En fait, ça doit être l'équivalent de l'édition. Donc, Red Translucent, oui, c'est ça. Voilà. Alors, bon, enfin, ce que je vais vous présenter, c'est ici. Vous voyez, j'ai bien préparé ma vidéo. Donc, il y a toutes les références. Mais tout ça, vous l'aurez en bas en dessous de la vidéo, hein, tout le descriptif donc, de tout ce que je vais vous présenter. Alors, puisqu'on est dans les petites boxes. Alors, The Black Keys nous a gratifié pour son 10e anniversaire. Donc là, on avait le 30e anniversaire d'Hartung Baby. Ça ne nous rajeunit pas. C'est incroyable hein, comme le temps passe. Ça me paraissait assez récent. Quoi, mais
C'est comme ça. Alors, The Black Keys, par contre, ça fait que 10 ans qu'ils avaient sorti le super album El Camino, qui, à mon avis, bah, c'est celui que je préfère. Et là, il s'agit de l'édition limitée Gatefold, même, je crois, Trifold, oui, c'est ça, puisqu'il y a un live dedans, il y a un super live. Voyez. Enfin, je vais l'ouvrir sans plus attendre. On va l'ouvrir et puis moi bon, je vous fais peut-être une petite présentation. Donc je regarde. Alors El Camillo donc avait battu tous les records de vente, voilà, en s'écoulant à plus de 3 millions d'exemplaires avec des titres tels que Lonely Boy, Gold on the Selena et Sailing, pardon. Et Little Black Submarines, voilà. Gold on the Sailing, ici Lonely Boy et Black Submarines. Voilà, vous avez la tracklist ici, on les retrouve. Alors je vais l'ouvrir, c'est la Trifold. Alors il y a eu la box et je l'avais fait venir, mais trop cher parce que en fait ça valait pas le coup. Là, bon, je l'ai pris à ma Fnac du coin à ce prix-là. La box était quand même 4 fois plus chère. Peut-être 5 fois plus cher, je sais plus. J'en avais pour 150 €. Enfin bon, je l'ai renvoyé. On m'a remboursé de suite. Alors, chez Amazon, on rembourse de suite. Alors, voilà. Alors c'est bien d'avoir quand même l'édition limitée, comme ça. Limitée, mais Trifold, donc, qui se présente comme ceci. Alors, toujours les fourgonnettes, alors, bien sûr, de cet album. Un groupe américain, évidemment, inutile de le présenter. Je vais vous présenter plusieurs groupes américains que j'ai regroupés là. Voilà. Alors on va. Alors les vinyles sont, je crois, noirs, hein, tout bonnement. Dans la box aussi. Vous voyez, je vais peut-être vous montrer une photo de la box. Vous voyez, là aussi, la box, il n'y avait que des vinyles noirs. Voilà. Alors déjà, leur album précédent avait. Ils avaient pas mal cartonné. Mais là, bon, il s'agit de rien oublier, parce qu'il y a pas mal de choses, vous voyez, il y a un livret, tout ça. Alors, bon, ce sont des vinyles tout bêtes. Hein. Peut-être pas du 180, par contre. Je ne sais pas ce que me dit. Me dit ma petite notice, là, que j'ai marqué. Non, ce n'est pas marqué 180. Alors. Alors, je rappelle que le chanteur s'appelle Dan Auerbach. Petit livret aussi. Je vous dis les versions. Alors là, c'est 10e anniversaire seulement. On n'a que des conférences. C'est même pas livré. C'est un poster. Oui, je me souviens. Je me souviens d'avoir vu avec toutes ces fameuses photos. Voilà. On a ça. Vous voyez, vous avez toutes ces photos ici du groupe. Maintenant, et on a donc le deuxième disque. Alors ça, c'est les deux premiers, c'est l'album studio, hein. El Camino. Je vous montre parce qu'il y a des petits macarons différents, de différentes couleurs. Voilà. 140 grammes. Je pense qu'à cause du poids, comme c'est un trifold, ils ont préféré opter pour le 140 grammes. Voilà. Donc peut-être que l'édition Europress était en 180. Je n'ai pas, moi c'est ni l'original ni rien, mais vraiment ça, moi c'est celui que je préfère des Black Keys. Le précédent aussi était pas mal. J'avais noté le nom de l'album, Live in Portland. Oui, voilà, c'était le live à Portland aussi, très bon live, excellent live du groupe. Donc inutile de les présenter, je vous ai présenté donc leurs albums à maintes reprises. Donc là, on n'a rien d'autre. Voilà, donc pas de petit livret. Bon, je vous invite à vous reporter sur le descriptif de la box si vous voulez avoir davantage de renseignements. Moi, j'ai pris ceci, c'était déjà, bon, 36 €. Je l'avais vu à 34 sur Amazon, mais là, j'avais une réduction avec ma carte Fnac. Donc, ça, je l'avais vu à 34. C'est assez raisonnable pour un Trifold. Alors, puisqu'on est aussi dans les rééditions, pour le 25e anniversaire, Dream, toujours, on reste toujours en Amérique, bien sûr. Alors là, il y a aussi. Voilà, bon, on va l'ouvrir. Alors, 25e anniversaire, New Adventures, qui était sorti en 1996, limité d'émission remasterisée pour le 25e anniversaire. Donc, c'est la version européenne,
Voilà. Voilà, et c'est donc, oui, bien sûr, chanteur Michael Stipe. Vous voyez, 48 euros quand même, et j'ai pu l'avoir à ce prix-là. Voilà. Et après, vous pouvez avoir avec votre carte Fnac des réductions aussi. J'essaie de vous l'ouvrir. Donc là, il n'y a pas, à mon sens, d'édition colorée. Je ne pense pas que ce soit une édition colorée. C'est de ne pas bousiller le sticker. Voilà. Oups. Alors, il contient des titres, évidemment, Ebo, The Later, Electrolyte, Bittersweet Me. New Adventures in Hi-Fi. Donc c'est un double gatefold. Ah, je monte la tracklist ici. Très bon album. Très 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 bon album. N'y a pas de... Je vais voir s'il y a quelque chose. Ah, c'est simple quand même, pochette antistatique. Alors, je crois qu'il y a eu une édition Clear Black Marble. Il y avait une édition mais qu'on n'a pas vue en Europe, qu'il faudrait peut-être commander, mais qui doit être assez cher. Voilà ce que je pouvais dire sur cette édition. Bon, l'autre est pareil. L'autre REM, moi j'appelle REM, c'est REM. Hein. Alors, donc, là, c'est du 180. 180. Bon, un des meilleurs de REM, enfin, si on peut dire, un des meilleurs de REM, si on peut dire, parce que finalement, la plupart des albums sont excellents. Alors, c'est difficile de dire, mais celui-là est meilleur que l'autre. Voilà, donc deux LP, donc 1996, évidemment, et donc pour le 25e anniversaire, là encore. De cette box. Bon, je sais pas si je vous ai bien montré l'intérieur, je vous remontre tout ça. Voilà. Me demande s'il n'y avait pas des lives là-dedans. Non. Non, non, ça doit être le. Ouais, non, non. Pas mal de titres quand même. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 titres hein, quand même. Je sais pas comment ils font pour faire tenir tout ça sur. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Il va y avoir 4 titres par face. Voilà. Je le découvre un petit peu avec vous. Un peu gênant. Alors ensuite, 21 Pilots, Skeleton and Cry. Un vinyle donc exclusif. Leur dernier album de 2021, là c'est vraiment une nouveauté. Je vous avais présenté évidemment ce groupe de Tyler Joseph. Alors là, on est plus dans le R&B rap, pop rock aussi. Voilà, c'est un peu mélangé puisque Tyler Joseph à l'origine était un rappeur. Voilà, donc c'est pas mal. C'est oh, c'est assez commercial, ça s'écoute facilement. Hein. Je vous avais déjà présenté plusieurs albums d'eux. Que je suis donc 21 Pilots, donc toujours on est toujours sur le continent américain. Voilà, j'avais regroupé à part U2, hein, on va commencer par l'Amérique. Voilà, donc c'est leur dernier. Alors, l'embêtant, c'est que quand on voit la tracklist, il y a pas mal de vidéos qui sortent. Good Day, Choker. The Outside, Saturday, etc. Donc, vous verrez. Donc, voici la tracklist exclusive Crystal Clear Vinyl. Je crois que c'est une édition européenne. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué là? Canada et Europe, oui, c'est une édition commune au Canada et à l'Europe. Une édition limitée, donc, de Crystal Clear Vinyl qui est ici. 140 grammes. Voilà. On se lucide avec une jolie sous-pochette. Bon, bien commercial, bien fait. Voilà. Ça s'écoute bien.
ce que je pouvais vous dire. Toute tracklist des crédits. Et voilà, les compères. Alors ensuite, une petite nouvelle. Ash, qui nous sort son album Ashlyn, parce qu'elle s'appelle Ashlyn Rae Wilson, une chanteuse aussi, donc américaine. Et c'est de, moi je classifierais ça plus dans la pop, voilà, plus dans la pop. Alors donc, Ashlyn, donc avec featuring les morceaux Moral and the Story et Till Forever Falls Apart. Alors ça c'est une exclusivité Urban Outfitters. Enfin ça, je l'ai acheté, c'est peut-être pas exclusif, mais c'est distribué par Urban Outfitters. Moi bon, j'ai fait venir deux disques qui sont là, j'ai pas payé droit de douane. J'ai une chance, ça a peut-être été pas assez déclaré. Alors, ouais, je vais montrer quand même la tracklist ici. Enfin, on va y revenir. Donc, une édition limitée, intéressante. Donc, il s'agit d'un gatefold. On peut y aller. Hop, hop. Il y a pas mal de gatefold qui sortent quand même. Pas mal, pas mal, pas mal de gatefold. À des prix quand même assez bas en Amérique. Hein, quand même, pour 20 euros, vous avez quand même des disques. Enfin, assez bas, je veux dire, par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Alors là, on a marqué, il y avait marqué 36 dollars quand même. Made in Canada, vous voyez. Voilà. Quand même, 36 dollars, ça va faire 30 euros quand même. Celui-là est plus cher. Je crois que c'est l'autre, ouais, l'autre que j'ai payé moins cher. Voilà. Donc quand même 36. Mais en France, pour l'avoir, c'était plutôt dans les 50 euros. Voilà. Bon, vous avez peut-être vu déjà des vidéos. Oh, c'est de la pop, moi je dirais. Après, vous qualifiez ça comme vous voulez, avec un joli petit poster. Voilà, très joli. Je remets dedans pour pas qu'il s'abîme. Et on a le vinyl, bon, les crédits, paroles des chansons, tout ça, comme d'habitude. Et un très joli disque. 140 peut-être. Voilà. Donc ça, une édition difficile à trouver en Europe. Hein. Faut passer par l'importation et prendre des risques. Voilà. Parce que sinon, vous paierez le double, quoi. Vous allez payer 60 euros votre disque. Ça vaut pas le coup. Hein. Vaut mieux prendre autre chose. Donc, voilà. Le disque est pratiquement pareil. Je pense qu'il s'agit. Pas mal de titres, hein. Pas mal de titres là-dessus. Voilà, vous voyez, je vous montre parce qu'il est vraiment différent. Voilà, celui-ci est top. Là, je pense qu'il doit y avoir, oui, une gravure au laser. Je ne sais pas si on le voit. On le voit bien. Peut-être on ne voit pas de terrible. Hein. Voilà. Peut-être ici, c'est un peu mieux. Voilà, ici. Là, on a les 5 morceaux restants. Donc, très joli, hein, très joli. Très belle édition. Et puis, très bon disque aussi. Moi, j'écoute avant d'acheter. Et si ça me plaît, je prends. Si ça ne me plaît pas, même si j'ai d'autres albums, je ne vais pas prendre systématiquement comme le dernier Duran Duran. Il ne m'a pas trop plu. Voilà, je n'ai pas pris. Hein, donc, voilà. Donc, Ashlyn Rae Wilson, la chanteuse. Bon, ça, ensuite, je vous avais présenté donc, le Jadebird il y a un an ou deux, je ne me souviens plus. Et là, c'est une exclusivité Urban Outfitters, Limited Edition Translucid Red Vinyl. Donc, voilà, je regarde ce qu'il y avait. Different Kinds of Light. Voilà. Alors là, mais, par contre, c'est de la musique un peu américaine, mais c'est une... C'est une britannique, hein, donc voilà, attention à ne pas confondre, son nom, c'est Jade Elizabeth Bird, voilà. Jade Elizabeth Bird. Bon, on va l'ouvrir, donc ça aussi, ça vient de chez Urban Outfitters, et là, c'est une exclusivité Urban Outfitters, donc le jour où c'est épuisé, ben, voilà, ça, ce sont des éditions, ça, j'avais dû l'avoir aux alentours de 20 euros, c'est celui-ci, oui. Parce que les exclusivités sont pas trop chères. Et puis, ils ont fait des promos pour cette période-là. Voilà. Donc, c'est aussi un gatefold. Hop.
Alors, c'est un petit peu folk country, mais bon, pop, moi ce que j'appelle pop aussi. Voilà, on va bien le. Voilà, il y a pas mal de titres aussi, c'est pareil, il y a pas mal de vidéos dessus. Ouais, l'heure tourne, je vais un petit peu accélérer parce que je vois que pochette intérieure avec des superbes vinyles, toujours du 140 grammes. J'ai l'impression qu'ils font, et puis là c'est même moins, peut-être du 100 grammes. Je pense que pénurie oblige. Enfin, je plaisante. Et là, oui, on a quelque chose là, oui. Quand même un double. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Different kinds of light. Pas mal. Joli artwork. Et très jolie pochette intérieure aussi, avec la chanteuse. Mais je crois qu'elle a plus ou moins vécu aux États-Unis parce qu'elle est vraiment imprégnée de cette culture américaine. C'est le folk pop un peu, c'est. Voilà. Ce qu'on peut dire. Allez, où? Maintenant, ah oui, une petite perle, le dernier Richard Ashcroft. Ça, c'est l'édition limitée de la Fnac. Que j'ai pu avoir à un prix décent quand même pour un double gatefold. Alors donc pareil Royaume-Uni donc voilà, une édition limitée turquoise voilà européenne distribuée par la Fnac mais c'est pas une exclusivité la Fnac et c'est édité par Infectious Music voilà Phonographic Association. Alors, c'est une compilation acoustique de ce chanteur, évidemment, Richard Ashcroft. Et en fait, il y a des nouveaux morceaux, mais ils m'ont collé le. C'est un gâteau. Bon, on va essayer d'enlever tout ça. Je ne sais pas comment faire. Bon, il y a des nouvelles versions, évidemment, des reprises de ces titres Bittersweet Symphony, The Drug Don't Work. Lucky Man and Common People. Voilà, je vous montre, c'est pas évident. Voilà, de voir. Donc, ce sont des reprises. Il a réenregistré de façon acoustique, mais j'ai écouté donc en streaming. J'ai pas trouvé que c'était si acoustique que ça. C'est très très mélodieux. Il doit y avoir du violon, du synthé, il y a un orchestre. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé. Et alors, tout est bon, quoi. Tout est bon, c'est excellent, c'est une perle. C'est une perle, tout est bon. Évidemment, c'est une compilation de ses meilleurs titres, je suppose. Et tout est excellent, je vous conseille vraiment, c'est un des meilleurs de la pile. Voilà. Je crois que c'était les Frères Perrin sur leur chaîne du Vinyl Club qui l'avaient présenté en édition noire. C'est pour ça que j'ai pris pour 2 euros de plus directement à la Fnac. Hein. J'ai pris le Gatefold en version colorée pour au moins vous présenter. Il y a aussi Dimitri sur sa chaîne qui vous l'a présenté en version noire donc pareil c'est plus du 180 non. Voilà donc c'est quand même pas mal fait quand même tous ces pochettes tout ça alors les prix il faut quand même faire très attention parce qu'il y a une sérieuse augmentation elle aussi donc la fameuse guitare. Alors on croit que c'est de l'acoustique, genre The Cure, tout ça, ou Black Keys, tout ça, mais qu'à la guitare, non, pas du tout. C'est très, très bien orchestré, c'est très mélodieux. On ne peut pas deviner que c'est de l'acoustique, en fait. Hein. Acoustique Hymns, volume 1, donc. Et à mon avis, il va sortir le volume 2. Donc peut-être qu'il sera moins bon, hein. Parce que là, ils ont peut-être fait un essai avec le volume 1, parce que parfois, ils sortent le volume 1, puis le volume 2 tarde à sortir. Alors, donc, je vous remontre quand même. Voilà. Bon, ça a dû être enregistré en live, plus ou moins. Pas en live, mais en studio. Mais enfin, il n'y a pas que de la guitare. Hein. Moi, ce que j'ai écouté, c'était quand même bien, 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 bien réorchestré. Hein. Voilà. Donc, fait en 2021.
Oh, ça a été enregistré, ça. Bon, ça a été fait en Pologne, hein. Ça, c'est un Polonais. Ensuite, on reste toujours au Royaume-Uni avec le dernier de The KVB, donc chez Invada Records. C'est l'édition limitée, mais vraiment très limitée, puisqu'il y avait ce livre en plus, ce livret en plus, l'édition limitée qui n'est pas restée. Alors, j'avais bénéficié d'une free week, hein, sur Invada, je l'avais stocké depuis un certain temps. Et évidemment, il n'est pas resté à vendre très longtemps. Donc, The KVB. Alors, je vous avais montré le morceau. Je sais pas s'il y est en fait là. Il y a Sunrise Over Concrete, Unity. Voilà, Unity, c'était le clip que je vous avais diffusé sur ma chaîne. Il n'y avait pas eu de droit. Unity et Unity, hein. Très bon clip. Donc, c'est de la sun pop, ça, c'est de l'électro-disco pop un peu, ou rock électronique, c'est dans le style un peu new wave aussi. Je dirais plutôt de la future pop. Alors là, on a toujours. Ouais, ça, c'est chez Invada. Ouais, je peux vous le. On peut télécharger, je sais pas. Non, ça marche jamais, les trucs d'Invada. Je préfère pas vous le donner parce que j'arrive jamais à les télécharger. Ça sert à rien. Alors, on a cette pochette et vinyle, évidemment. Coloré. Coloré. Splatter. Gris. Ils appellent ça Grey Blue Marble. Alors, un gris bleu marbré. Voilà. Donc, toujours 2021. Et là, on a basculé sur le Royaume-Uni, sur l'Angleterre. Et alors, ça, voilà, c'est dans l'édition limitée, mais en dehors. Ils n'ont pas pu le mettre dans la pochette, c'était un peu trop gros. Donc, voilà. Donc, vous avez des images comme ça. Bon, c'est assez sympa pour le même prix, hein. Pour le même prix, il n'y avait pas de différence de prix entre l'édition normale et l'édition limitée. Voilà. Bon, toujours cette chanteuse aussi. On a donc l'album Unity, hein, avec le titre Unité, voilà, le dernier album, et qui est excellent. Je l'ai écouté, fantastique, vraiment. J'ai l'impression que c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Très joli coffret. Alors, vous avez photo de Nicolas Wood et Cat Day. Alors, ils sont actifs à Londres. Ensuite, The Mission, qui avait démarré en 1986, c'est de la post-new wave un peu, je pense, gothique. Ouais, j'ai classé en gothique. Une édition limitée chez Music on Vinyl. Bon, il n'y a eu que cette édition-là, assez difficile à trouver. J'ai le 1885 sur 3005, limited edition, collected, un best-of. Mais alors là, c'est vraiment excellent, un des meilleurs de la pile. On va l'ouvrir, The Mission, donc avec son chanteur Wayne Hussey. Compilation, donc Universal Music, Music on Vinyl. Voilà. Donc, qui vient de sortir. C'est quand même en nouveauté puisque c'est une collectée. Ils ont fait pas mal de compilations, mais c'est une compilation qui vient de sortir en 2021. Bon, c'est pas un gatefold, mais c'est assez satiné. C'est agréable au toucher. C'est formidable. Voilà, on voit le groupe là. Et là, vous avez tous ces titres, donc pas mal de choses. Pouh, alors là, vous avez pas mal de titres. Je vais pas tout vous énumérer. Voilà. Collected. Et on a eu qu'une édition noire. C'est 180 grammes. Très joli macaron. Édition en noir, voilà, de ce très bon groupe. Voilà. Bon, c'est du gothique, ça fait penser un peu à Clan of Xymox aussi, tout ça. C'est peut-être un petit peu plus. Oh non, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Bon, moi, je préfère Clan of Xymox, mais The Mission, j'avais rien de. Peut-être un maxi. Peut-être un maxi. Donc, Trifold, 3. Enfin, Trifold, 3. Trois disques, hein, quand même. Trois disques. Déjà pas évident à trouver. J'ai eu du mal. Bon, c'est peut-être encore dispo, mais peut-être les prix ont augmenté. Je sais pas, parce que je vous dis, c'était une édition limitée et les gens sont un peu rués dessus.
Alors, The Art of Noise, alors vous me direz, c'est le live de Tokyo de 1986, mais c'est la première fois qu'il sortait en vinyle et en CD. Et alors, chose étrange, moi j'ai l'édition noire, mais apparemment elle est plus rare, elle serait plus rare que l'édition limitée blanche qu'on trouve au double. Alors je l'ai prise parce que celle-ci, elle fait une vingtaine, 22 euros, je crois, 20, non, 23, enfin par là. Et l'édition chez Musical Vinyl, l'édition est au double. Est à 46 ou 48 euros l'édition limitée blanche. Et moi, je préfère à la limite un noir, j'y vois mieux dessus, parce qu'un tout bête blanc. Et de toute façon, j'ai l'impression que le noir, on le trouve nulle part sur Discogs, il n'y est même pas. Et même pas. Donc 180 grammes, le live Art of Noise, inutile de vous présenter, avec l'artiste Anne Jennifer Dudley à l'époque, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements dans tous ces groupes. Pas mal de départ, tout ça. En 86, il devait être assez complet. Voilà, assez complet. Art of Noise avec Legs, tous ces titres hein, que je vous. Voilà, je vous montre un peu l'intérieur. Je vais vous dire la tracklist. On a le fameux Peter Gunn, la reprise Paranoimia, Legs, Moments in Love, Beatbox, Peter Gunn aussi. Voilà. Présente donc les morceaux les plus connus. Alors il n'y a pas de petit livret ni rien. Allez, le deuxième, puisque Macaron est différent. C'était Xang Tum Tum Sampled qui faisait ça à l'origine, mais là c'est Music on Vinyl. Toujours donc, c'est du Music on Vinyl. Voilà. Ensuite, le dernier, puisqu'il en faut un, on est déjà à 31 minutes, on va se dépêcher, c'est terminé par de la French Touch, mais plutôt synth-pop, future pop, électropop, je ne sais pas comment vous l'appelez. Donc, à l'origine, c'était un DJ, Arbès Nicolas de Dijon, qui avait fondé le groupe Vitalik, et qui a sorti, donc, je sais pas, c'est le quatrième album, enfin, Dissidence. Voilà, chez Cleavage Music, un petit label. C'est aussi difficile à trouver malgré tout, à part sur Discogs. Moi, je l'ai eu à la Fnac, dans les bacs, parce qu'on le trouve déjà beaucoup plus cher. Ça a l'air d'être sold out. On peut le trouver qu'en rayon à la Fnac, parce qu'il est sold out chez Amazon et puis chez la Fnac aussi. Voilà. Donc, ça, chez Vitalik, faut être très réactif. Le précédent album vaut déjà 200-300 euros, vous vous rendez compte? Que j'avais vu dans les bacs à Leclerc à 20 euros, même pas, en 2017, je crois. Alors, c'est le nouvel album Vitalik. Voilà. Donc, je vous montre la pochette avec les titres, hein, tout ça. Je crois que. Oh, on a un petit sticker là. Ah, c'est joli ça. Voilà. Vitalik. Un seul titre, voilà, en édition blanche. Il n'y a eu qu'une seule édition blanche, 180 grammes par contre. Il n'y a eu qu'un seul tirage en blanc. Voilà, je ne pense pas qu'il réédite. Le précédent ne l'a pas réédité. Pourtant, il y avait un titre excellent dedans. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire. Alors, les titres, il y a haute définition, Rave Against the System, featuring avec Kiddy Smile. Lost Time, Danse avec moi, etc. Donc, je vous remonte la tracklist. Mais dépêchez-vous sur Discogs. Il y en a encore des pas chers. Mais le problème, c'est qu'au lieu de le payer 20, vous allez rajouter les frais de port. Donc, et alors après, il y a des sites où les prix ont vraiment monté. Bon, après, j'ai encore pas mal de choses à vous présenter. Il y aura des BO parce que j'ai profité de la Free Week chez Mondo. Puis j'en avais stocké là chez Waxor, tout ça. Donc, il y aura pas mal de BO. Alors, c'est très intéressant, la Free Week, parce qu'ils m'ont envoyé les vinyles individuellement, séparément. Donc, aux alentours de 20 euros le vinyle. Donc, ça va passer à la douane sans frais de douane. J'ai pas de frais de port. Donc, là, vraiment, c'est formidable. Des éditions qui, autrement, vous reviennent au double. Hein. Si vous comptez les frais de port, même ouais, à ce moment-là, vous en commandez deux. Vous en commandez au moins deux pour économiser les frais de port. Si vous en commandez un, 20 euros. Chez Mondo, plus 20 euros de frais de port, ça fait 40. À ce moment-là, 40, ça passe pas à la douane. Vous avez au moins 10
$10, 10, ouais, 8 euros, enfin 10 euros de frais de port, ça vous revient à 50 euros. C'est pour ça que je commande plus chez Mondo, sauf quand il y a une Free Week, alors une ou deux fois par an, mais là j'en ai profité, il y avait pas mal de choses très intéressantes qui vont arriver. Et puis aussi, j'ai pas mal de represses aussi à vous présenter. Donc voilà, ben, il y aura une deuxième vidéo là-dessus. Allez, bon visionnage, n'hésitez pas, comme d'habitude, le baratin habituel, donc à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un pouce bleu, à laisser vos commentaires, j'y répondrai. Mais de toute façon, en bas, la vidéo, vous aurez toutes les références, vous aurez exactement tout ça, donc tout le descriptif de ce que je vous ai présenté, si des fois j'ai fait une omission. Allez, salut, bientôt!